Bien le bonjour aujourd'hui. Alors, je vous prends au lever du lit, vous voyez. je ne sais pas si je devrais, mais bon. Nous sommes un dimanche. J'ai été plusieurs jours à avoir vraiment très très mal partout. Et bon, aujourd'hui, ça va à peu près. Donc, je vais essayer de faire 2-3 bidules. Je vais m'axer sur en fait les préparations culinaires aujourd'hui. Je sais pas si réellement je vais filmer ou pas, mais il faut que je prépare des crêpes pour le petit, des blinis. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Enfin bref, j'ai encore pas mal de trucs. Donc là, je vais aller me ravaler la façade un petit peu. Donc vous voyez, ça c'est la vraie vie en fait, hein. Je suis pas forcément pleine d'artifices tout le temps. Mais voilà, donc je voulais vous montrer, eh bien, le matin, c'est freestyle. Au niveau de l'alimentaire, j'ai aussi des. En fait, je sais pas chez certaines personnes, mais des fois, quand je mange certains trucs, ça accentue mes douleurs. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je sais jamais trop sur quoi, en fait, je vais naviguer. Bon, allez, sur ce, je vais aller me ravaler la façade et au liqueur, on y va. Donc, là, je vais faire ma pâte à crêpes. Alors, je vais la faire un peu à l'arrache. D'habitude, je pèse mes aliments, mais là, franchement, j'ai pas trop, pas trop envie, j'ai la flemme. Donc, je mets à peu près, vous voyez, ça, il doit y avoir peut-être 200 grammes de farine. Je vais rajouter mes œufs, mon lait, et puis je vais laisser reposer aussi ma pâte. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça là-dedans. Les œufs des cocottes. Alors, je vais mettre 3 œufs là pour le coup, puisqu'en fait mon fils ne mange pas d'œufs, donc c'est compliqué pour lui faire avoir de la protéine et de la choline. Donc du coup, eh bien, comme il mange des crêpes, eh bien, je blinde un petit peu les crêpes d'œufs. C'est une manière détournée de le manger. Donc voilà, puis je sais qu'il en mange quelques-uns. Donc ça va me servir en crêpes salées et en crêpes sucrées. Aussi, je vais pas en faire des tonnes, hein, mais voilà. Je vais aussi, comme je disais, essayer de faire des blinis aujourd'hui. Donc là, je vais mettre le lait. Hop. Et en fait, je ferai cuire ça en fin d'après-midi. Comme ça, eh bien, j'aurai un peu plus de temps pour faire autre chose. Par exemple, qu'est-ce que je voudrais faire? Je ne sais même pas ce que je voudrais faire aujourd'hui. En fait, j'ai encore les douleurs qui sont hyper présentes. Donc voilà, j'ai terminé la pâte à crêpes. Ce que ça donne. Et ça directement au frigo. Alors là, hop, j'ai sorti. J'avais fait 2 plates pour giflette. Alors comment j'ai mis ça au moins encore? Comme j'ai pu. J'avais déjà préparé, et ben là, ça sera pour ce midi. Je vais laisser décongeler ça. Zou, je vais mettre ça au four, comme ça je serai tranquille pour ce midi. Voilà, comme quoi ça sert de préparer des plats à l'avance. Je vous explique tout. Je vais vous montrer ça.
Voilà, là, ici, j'ai refabriqué en fait un mangeoir pour poule. Donc là, c'est un seau de récupération, c'est un seau de choucroute. Donc j'ai récupéré ça dans un magasin. Ici, j'avais acheté ça. Ici, ce sont des petits, une sorte de petits tonneaux coudés qu'on vient placer à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. À l'intérieur comme ceci. Donc c'est fourni en fait avec une scie cloche qu'on vient mettre sur une perceuse. On fait les trous et ensuite on vient agencer ça. Il y a aussi un petit une petite rondelle en caoutchouc pour l'étanchéité. Mais comme c'est des seaux ronds, ça a du mal un peu à s'adapter en fait. Mais bon, pour ce que j'en fais. Alors les poules, ça y est, vont manger dedans. Mais par contre, il y a des oiseaux qui vont encore dans le poulailler. Donc je ne sais pas s'ils arrivent à aller se mettre dedans. Bon bref. Ici, j'ai acheté un petit mangeoir à poussins. Parce que j'ai une poule qui couve. Donc je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout. Mais je voulais me préparer au cas où. Hein, et puis quand c'est trop gros, en fait, les poussins, ben, si c'est trop gros pour manger ou pour boire, ils peuvent se noyer littéralement dedans. Donc j'ai pris ça. J'ai racheté un petit abreuvoir justement pour les poussins, en espérant que les grosses poules n'aillent pas... Ah, il m'a coûté combien? Aux alentours de 3 euros, ça. Le mangeoir... Le mangeoir aussi, comme ça, aux alentours de 3 euros... Il faudrait que je regarde, j'ai dû garder les tickets. Ici, j'ai pris du granulé à poussin. Là, aussi un gros paquet de granulé, des graines diverses pour les poules. Et ici, en fait, un traitement de vermifuge pour les poules. Donc, je vais ranger tout ça, parce que j'ai encore le blé aussi que j'ai pris la dernière fois, que je vais devoir mettre dans les caissons bleus pour éviter les rongeurs. Donc là, je ne sais pas si on va me voir, mais vous voyez, c'est le bordel total. Ici, j'avais, sur les côtés, en fait, j'avais récupéré des... Enfin, pas récupéré. C'est des étagères que j'avais déjà en métal. Donc, je les ai collées de ce côté-là pour gagner un peu en espace en bas et pouvoir ranger là. Ici, ce sont le blé que je dois ranger. Eh ben, à mon avis, j'ai une souris qui est arrivée parce que en bas, eh bien, c'est mangé. Il était temps que je le range. Donc, je vais tout ranger en fait dans ces caissons-là. Anne-Germaine, vous voulez quoi? Oh, punaise, qu'est-ce que c'est lourd. Hein. Puis ça, c'est pas rangé. Ah, le boxon là-dedans. Ça, c'est vide. Oui, ma petite ma petite TQL. I don't know. Ah, les frénégondes qui sont là. Les guettes que je vais bien pouvoir leur filer à manger. Évidemment, j'ai pas pris de ciseaux, alors bon, ça va pas être mettre un temps fou encore à ouvrir ça. Ah ben non, ça va pour aujourd'hui. Alors, la petite écuelle, là, je crois qu'elle est là-dedans. Ça, c'est un autre sac d'alimentation pour poules. Je vais varier un petit peu plus pour l'hiver. Oui, donc je disais que j'avais normalement une écuelle pour remplir. Ah, voilà. Alors, je vais essayer de me faire de la place parce que franchement, tout tombe en ruine là-dedans. C'est comme la grand-mère, c'est pareil, ça tombe en ruine. Hop. Alors là, je vais commencer par le blé. Il faut que j'aille aussi acheter du maïs. Hop. Parce que ça, ce sont des sacs de 50 kg. Alors, comme je disais, ceux-là, je les ai eus à 15 euros les 50 kilos. Mais apparemment, il y en a qui ne sont pas dans mon département qui en ont pour moins cher. Mais j'arrive pas à trouver le fournisseur, en fait. Puis quand on leur pose la question, ils répondent pas.
Je crois que ça doit être chasse gardée. Allez savoir. Ah là là. Bon, bref. Donc, vous voyez, j'en ai pour un petit moment à remplir tout ça. Quand ça sera moins lourd, en fait, je vais le... Comment ? Je vais le porter. Mais là, pouf, je vais le caler ici. Et puis, ben, je vais remplir tout ça. Hein ? Allez, on se reprend tout à l'heure quand j'aurai fini. Je vais le mettre là, tiens. Alors, donc, je suis toujours en train de transvider le blé dans les containers. Et là, maintenant, je vais préparer, en fait, le deuxième. Alors, ça, les poules en ont déjà un. Mais dedans, il y a uniquement du blé et de l'aliment pour poules pondeuses. Mais là, pour cet hiver, là, voilà, on est en octobre. Et donc, du coup, je vais compléter aussi l'alimentation. Donc, avec ces fameuses, je vais un peu essouffler, les fameuses graines. Alors, c'est de la marque Écograin. Je l'ai eu dans une boutique, dans une ville, à 13 euros les 25 kilos. Sachant que à côté de mon village, à Brico, comment ça s'appelle ? Bricomarché, lui, était à presque, était à 19 euros et des brouettes, le même sac de 25 kilos. Donc, il y a quand même une différence de notable. Hein, il y a... Oh, je vais y arriver. À la fille. Je disais donc aux alentours de 13 euros... ça devait être 13,90 €, quelque chose comme ça. Et à Bricomarché, donc 19,90 €. Donc, on avoisine pratiquement 6 euros de différence pour le même, le même grain, la même provenance et le même, le même producteur, si on peut dire. Donc, 6 euros, c'est pas négligeable. Après, si je peux trouver moins cher, ça serait bien. Mais je ne vais pas non plus faire 50 milliards de kilomètres. Bon, là, c'est de l'occasion qu'a fait le larron. Donc, du coup, je vais préparer tout ça là-dedans. Ah, hop. Alors, c'est parti. Je vais mettre déjà du blé et puis de l'éco-grain, ça s'appelle. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir le bidule. Puis évidemment, j'ai pas pris de ciseaux, moi, comme une cruche que je suis. Ah là là. Après ça, je vais te vanner. Et j'ai encore le poulailler à faire après. J'ai pas pu le faire hier, j'étais claquée. Hop. Donc voilà. Ah, les fameux compositions. Donc je vais vous dire la composition tout de suite. Alors. Il y a dedans du blé, du maïs, du sorgho, de l'avoine, de l'huile de lin. Voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Et puis, j'ai aussi des graines de tournesol là-bas. Ici. Ça, elle date depuis un petit moment, mais je vais la recoller. Sachant que moi, mes poules n'apprécient pas les graines de tournesol. Il n'y en a qu'une que j'ai vue manger ça. C'était châtaigne, je crois. Donc, je vais quand même lui en mettre un petit peu. Hein. Ça devrait lui faire plaisir. Et donc, je vais alterner comme ça. Je vais mélanger le blé, le grain et les graines de tournesol. Et je vais mélanger tout ça. Allez, hop. Oups. Pas que je fasse n'importe quoi parce que... Tac. Alors... L'avantage, c'est que la poule aussi, elle peut passer la tête là, mais le désavantage, c'est que cette partie-là, en fait, en dessous, elles ne peuvent pas finalement y avoir accès. Hein, puisque ça va finir par descendre et il y aura toujours fatalement un petit peu. Donc, il va falloir que ce qui se retrouve en bas, quand je vais remettre
au final, quand je vais réempoter, ce qui se trouve en bas, il va falloir que je le remette sur le dessus pour que ça soit à manger. Mais voilà. Ou alors, peut-être que c'est moi qui les ai mis trop haut. Hein. Mais bon, avec le coude à l'intérieur, si j'avais mis trop bas, de toute manière, je pense que ça n'aurait pas été. Bon, ça y est, j'ai fait le mélange là-dedans. Ça, je vais la rapporter tout à l'heure. Et je vais faire aussi dans un conteneur comme ça, eh bien, je vais essayer de faire aussi l'autre mélange avec toutes les graines que j'ai. Pour comme ça sera déjà prêt quand je prendrai ce seau-là. Enfin, quand je rempoterai ma fille. Bon, alors là-dedans, ça c'est quoi? C'est que le blé. Donc, je vais continuer que sur le blé là. Je vais avoir les 4 contenants qui vont être pleins. Alors, c'est des contenants combien? Je crois que c'était des 25 litres ou des 50. Je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'est des 50. Ah non, 25, ça doit être des 5, ça doit être des 25 litres ce truc là. Oui, c'est ça, 25 litres. Oui, parce qu'à la base, j'en voulais des 50. Et quand j'avais été les acheter chez la personne, elle m'avait dit que c'était des 50 et c'était des 25. Mais bon, je les ai pris finalement. Pour porter, c'est un peu moins lourd. Mais des conteneurs de 50, ça serait pas mal en fait pour les pommes de terre. Parce que ce que j'aimerais aussi, c'est en avoir un comme ça. Et faire des couches, copeaux de bois, pommes de terre. Puisque c'est une méthode de conservation qu'on utilise. Et j'aimerais bien justement utiliser cette méthode de conservation. Pour me permettre de garder les pommes de terre en fait dans la cabane de jardin. Parce qu'à l'intérieur de chez moi, eh bien ça ne convient pas. Donc, il va falloir que je recherche un gros contenant pour tester la conservation des pommes de terre, soit dit au passage. Bon, alors, j'ai nettoyé les abreuvoirs. J'ai enlevé la plaque là-bas que j'ai nettoyée, désinfectée. Les poules sont là-haut. Là, nettoyer l'intérieur là. Ici, je dois encore nettoyer ici et nettoyer tout ça parce que c'est le beans. J'ai mis les vitamines, j'ai mis le verre honnête et puis voilà, donc je vais essayer de nettoyer tout ça. Alors je sais pas si je vais pouvoir filmer parce que aujourd'hui il y a du soleil, on a de la chance, et en fait eh bien le téléphone chauffe en fait au niveau du soleil, donc je peux pas le laisser comme ça, mais vous voyez hein, tac tac tac, j'ai tout ça à bien nettoyer. Là il me restait encore une vieille courgette que j'ai donné aux poules, elles se sont régalées. Allez, c'est parti, on continue. Bon, ça y est, j'ai fini de nettoyer tout le poulailler. C'est un peu plus propre. J'ai bien nettoyé les abreuvoirs. J'ai gratté aussi parce que il y avait du calcaire, donc tous les abreuvoirs sont nickel, le petit puis le grand. Alors le grand, hein, comme je vous avais déjà dit, je suis carrément mitigée avec ça. Ensuite, là, j'ai renettoyé aussi l'intérieur ici, et j'ai mis 2 seaux. Voilà, donc il y en a un, il n'y a que du blé, et l'autre, en fait, il y a un mélange de graines, donc elles verront bien ce qu'elles vont prendre, les germaines. Et puis, ben ma foi, ça sera bon pour aujourd'hui. Alors, au niveau du potager, je vous ferai un tour un peu plus tard, parce que là, il est tard, j'y suis depuis ce matin. Je n'arrête pas. Donc, sur ce, moi, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines aventures, si je puis dire. Je vous envoie beaucoup de courage. Serrez-vous les coudes les uns les autres. Et mille merci pour votre soutien. Allez, ciao, bye bye.